Bakhmout, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, continue de résister aux attaques russes. Près de 5000 civils ont décidé de rester dans leur ville, en partie détruite par la guerre. Lors du sommet avec les dirigeants de l'UE à Kiev ce vendredi, Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à accélérer les livraisons d'armes. Ce vendredi, l'Allemagne a autorisé ses industriels qui en ont en réserve à livrer à l'Ukraine des chars de combat Léopard 1, prédécesseurs des Léopard 2. Le procureur général ukrainien a par ailleurs lancé une procédure pénale contre le chef et fondateur russe du groupe de mercenaires Wagner, Yevgeny Prigojine.